correcteur News TV. Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande, on assure quoi. Suivez correcteur News TV. S'abonner massivement, massivement. Tu as vu correcteur News avec News, avec News, avec Yemoko Krachou.
Yeah.
J'ai retenu de hier très peu de choses, mais des choses importantes. Hier, j'ai été partisan de quelques idées fixes dont il ne mordait pas. C'était le moment que moi-même, lui et moi, nous avons grandi dans la jeunesse lumumiste. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, très vénéré Première Dame, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, les vice-premiers, ministres, ministres d'État, ministres délégués et vice-ministres, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, chères familles, distingués invités en vos qualités et titres respectifs, je voudrais vous remercier chaleureusement de votre présence à nos côtés en ce moment particulièrement douloureux. Je suis là pour vous parler d'un homme, d'un frère qui Kitenge Yesu Nzambala, Nkumu, comme je l'appelais affectueusement, qui vient d'être arraché brutalement à notre affection le matin du lundi 31 mai courant. Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsque vous avez jeté votre dévolu sur mon frère Kitenge Yesu, vieux, comme vous l'appeliez affectueusement, pour faire de lui votre haut représentant et envoyé spécial du chef de l'État. Votre choix a été salué par la classe politique congolaise dans son ensemble. J'ai mesuré cet assentiment de la classe politique sur la nomination de Yesu à vos côtés, par la présence multicolore des hommes politiques qui ont pris part à la célébration de cet heureux événement en ma résidence de Bin. Tout Kinshasa politique y avait pris part. Dans ces différentes tendances, la classe politique avait apprécié la coexistence au sein de votre cabinet de la sagesse et de la jeunesse. La présence d'un commis de l'État, d'un esprit rigoureux, loyal et inflexible. Pendant les 2 années et les quelques mois qu'il vient de passer à la tête de votre service personnel, Kitenge Yesu a mis à contribution son autorité, sa piestale en faveur de la recherche de la stabilité dans certaines de nos provinces, en jouant le rôle de médiateur dans les règlements des conflits
qui ont éclaté dans quelques entités politico-administratives. Il s'était érigé en véritable sage que les uns et les autres consultaient afin de trouver des solutions à leurs problèmes. Kitenge Yezu a été votre épée et votre bouclier face à vos détracteurs. L'engagement de mon frère Yezu à soutenir votre haute autorité a été inconditionnel et sans réserve. Il ne cessait de me répéter. Je cite, nous ne devons pas laisser le président tout seul. Nous devons l'aider. S'il faut se couper en deux pour le président, on va se couper en deux. Et donc, même parti, Yezu Kitenge demeure toujours présent à vos côtés, Excellence, Monsieur le Président. Certes, avec la disparition de Yezu Kitenge, ce n'est pas n'importe quel collaborateur qui s'est en allé. C'est la perte d'un esprit infatigable, d'un courage inflexible, d'une force morale et d'une loyauté inébranlable. Kitenge Yezu est une grande perte pour la République. Vous attendez mettre en place au Congo, œuvre à laquelle il avait cru dur comme fer, comme le prouve son engagement dans la mise en œuvre de l'Union sacrée de la nation. Cadre pour canaliser les idées porteuses de votre vision de notre pays. Aujourd'hui, il a rejoint les cortèges valeureux des hommes d'État congolais qui ont quitté la planète bleue. Mais sa mémoire vivra, car il a laissé des talents et des hommes capables de faire demeurer son exemple, de perpétuer les valeurs qui étaient les siennes. Chef de l'État, commandant suprême, distinguée première dame, monsieur le Premier ministre, son Excellence, ainsi que les membres du gouvernement, honorable député, le président du Sénat, ainsi que président de la Chambre des députés, honorable député, distingués sénateurs, distingués invités, excusez-moi pour mon émotion, je tenais à vous faire part d'un dernier moment que j'ai pu partager avec mon père. Je suis arrivé ce dimanche en espérant fêter son anniversaire qui était le dimanche d'après, le 6 juin, et j'ai appelé ce moment la dernière danse. Je n'ai pas senti dans les yeux de mon père qu'il y avait une urgence ou une faiblesse. J'ai pu partager des sourires, des questions. Nous avons échangé pendant à peu près 2 ou 3 heures. Je n'étais pas censé savoir que lundi à 9h, le médecin m'annoncerait que mon père était mort. J'ai une phrase que j'ai inventée à la mort de ma mère qui dit « La vie, c'est le temps ». Et la vie de mon père, vie, V-I-E, en anagramme, vérité, intelligence et expérience. Et je tenais aussi à remercier l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, de m'avoir permis de le voir après une année, d'échanger avec lui, et aussi son Excellence, Président de la République, de l'avoir permis d'occuper ses fonctions, et moi le remercier pour toute l'expérience, l'intelligence et la vie qu'il m'a donnée. Papa, je t'aime à l'infini. Dans mon esprit, tu es immortel. Merci. Papa, mon papa, perdre son père,
c'est perdre quelqu'un qui a toujours été là, pour le meilleur et pour le pire. C'est perdre notre meilleur professeur, celui qui nous a appris tellement de choses. Ce ne sera pas facile, mais comme tu m'as toujours enseigné d'être forte, j'y arriverai, nous y arriverons. J'y arriverai car je sais que ce que tu souhaites le plus pour la famille, c'est le bonheur. Je le ferai pour toi, pour t'honorer comme tu as toujours fait pour nous. Papa, tu laisses un grand vide dans nos vies, mais sache qu'il y aura toujours une place pour toi dans nos cœurs. Papa, opa, mon père, mon papa à moi, tu me manques déjà. Au revoir. Nous, tes enfants, tes petits-enfants, on ne t'oubliera jamais. La petite anecdote que je voudrais partager, c'est lorsque je suis devenue pour la première fois maman. Mon papa, lorsqu'il a vu mon fils, m'a dit, « Mais tu m'as mis au monde, maman Jazz. » Je dis, « Mais comment ça, papa ? Tu m'as réincarné avant que je meure. » Je dis, « Mais c'est une grâce. » Alors je remercie l'Éternel pour ses petits-enfants, pour cet enfant qui me fera toujours vivre ta présence. Merci, papa. Je t'aime. Excellences, Monsieur le Président de la République, très chère Première Dame, très chère audience, très chers membres de ma chère famille, je tiens à vous remercier au nom de toute la famille Kitenge d'être parmi nous aujourd'hui pour honorer la mémoire du patriarche Kitenge Yesu, un homme visionnaire, un homme de conviction. Nous avons eu la chance et l'honneur d'avoir eu parmi nous un leader, un mentor et un père de cette envergure. Papa, tu laisses derrière toi un vide immense. Ta disparition nous invite à nous recentrer sur l'essentiel de nos vies et à profiter de chaque seconde ici-bas. En effet, comme nous le rappelle un proverbe espagnol que tu aimais partager avec nous, rien ne file d'un pas plus léger que la vie. Ton intégrité, ton intelligence, ton caractère et ta présence bienfaisante nous manqueront. De tes mots les plus simples se dégageait un rayonnement qui agissait sur ton entourage. Source intarissable de sagesse, tu seras à jamais un exemple pour nous. Ta voix, tes gestes, ta démarche, ton regard imprimaient le feu qui était en toi et qui brûle maintenant en nous. Tu as fait preuve de détermination absolue dans la réalisation de tes lourdes tâches. Tu as combattu le bon combat. Aujourd'hui, au Congo et ailleurs, nous te pleurons. Papa, nous te remercions pour ce que tu nous as apporté. Repose en paix, à jamais tu seras dans nos cœurs. Aujourd'hui, nous avons perdu un grand homme, mon grand-père, Kitenge Yesu. Pour moi, mon grand-père, il m'a apporté beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour célébrer, pour honorer notre grand-père. Notre grand-père qui était toujours là pour nous. Depuis ma naissance, j'ai connu un homme qui m'a toujours montré le droit chemin. Quand je ne faisais des choses, quand ce que je faisais n'était pas bien, c'était lui qui était toujours là pour me reguider. Quand il n'y avait personne, c'était lui. C'était lui l'homme de la maison. Lui et Omar, c'était eux qui faisaient tout. Et aujourd'hui, nous sommes tristes de les avoir perdus. Nous sommes aussi heureux d'avoir connu de telles personnes dans notre vie. Des personnes qu'il ne faut jamais laisser tomber et que surtout qu'il faut être unis dans la famille. Opa et Oma nous ont toujours dit, soyez unis dans la famille, mes petits-enfants. Merci. Opa, tu nous as toujours guidés pour tout le bonheur que tu nous as donné, en toute cette situation, qu'on est resté sans toi, Opa, protège-nous et repose en paix. Monsieur le Président, merci pour tout.
Opa. Opa, tu étais comme un père pour moi. C'est toi, toutes les... depuis que je suis née, je pense, qui avait sur moi. Je n'ai pas connu d'autres personnes. Qui ? Non, je vais continuer. Je n'ai pas connu d'autres personnes qui ont porté plus d'attention que toi tu l'as fait. Je voudrais honorer ta mémoire. Je vais dédier ma vie entière à ce que la flamme que tu m'as léguée ne s'éteigne jamais. Après le mot des enfants, nous allons faire appel à l'évêque Fidèle Yedija Kalakala. Nous venons en ce jour difficile de rendre grâce parce qu'il est écrit dans ta parole, rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. Certes, une circonstance de douleur, douleur pour la famille, douleur pour la nation. Mais nous croyons, ô Dieu, que dans les temps de douleur, tu es notre consolation. Voilà pourquoi, ô Yahweh, tel qu'il est écrit dans ta parole, que ton règne vienne. Nous demandons que ton règne de paix puisse s'installer dans tous les cœurs qui sont blessés par ce départ qui n'était point attendu. Nous te demandons de consoler la famille. Nous te demandons de consoler le président de la République. Nous te demandons de consoler cette nation. Au nom de Jésus, au-delà de cette consolation, Père, nous te demandons, tel qu'il est écrit dans la parole, tu es le Père des orphelins. Sois un Père pour cette famille qui a perdu leur Père. Nous te demandons, ô Dieu, de combler le vide qu'a laissé notre patriarche près du président de la République. Et nous te demandons, ô Dieu, de prendre cette sagesse que tu avais, dont tu avais rempli cet homme, que tu puisses aussi la répandre sur beaucoup d'autres Congolais, afin qu'ils puissent être un véritable appui pour la vision du chef de l'État. Yahweh, je recommande ce temps entre tes mains. Tout ce qui va suivre, la levée du corps, l'enterrement, le bain de consolation, Yahweh, tout entre tes mains. Parce que la Bible déclare, si l'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. Sois notre avant-garde en tout. Et laisse que tous qui ne confessent pas ton nom s'éloignent de nous. Sois notre bénédiction dans ces temps difficiles. Sois notre consolation dans ces temps difficiles. Bénis tous ceux qui sont venus ici. Et laisse que l'âme de ton fils, l'âme de ton serviteur repose en paix. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Shut up.
du chef de l'État, s'il vous plaît. Nous prions à l'assistance de bien vouloir garder vos différentes places et attendre le départ des chefs de l'État, s'il vous plaît. Nous prions à l'assistance de bien vouloir. Voilà pourquoi, en tant que stratège, il a mis son plan en action et l'Union sacrée est née. Grâce à l'Union sacrée, aujourd'hui, nous pouvons être. Le président peut bien jouer son rôle des promesses qu'il a promis au niveau de la campagne électorale pour que le peuple congolais se retrouve à travers le développement de son bien-être. Avec le slogan du peuple d'Afrique, dont j'ai dit, c'est un stratège, c'est un mec, c'est un rassembleur, c'est un guide, je ne sais pas, il était tout pour nous. Et nous regrettons que ça soit arrivé d'une manière brusque, parce que moi j'étais avec lui le samedi. On a travaillé de 14h à 21h pour chercher la paix dans la province du Congo. Il était celui que le chef de l'État confiait des missions difficiles. Il rassemblait les politiques dans leur querelle interminable. Et encore une fois, c'était un parent qui nous rassemblait s'il y a des problèmes au niveau des forces politiques à l'IDPS. Non seulement chez nous, même à l'IDPS. Imaginez-vous quand le docteur Etienne est décédé. Il a joué un grand rôle. D'abord, un, de tenir que les rassemblements puissent rester unis. Deux, que le congrès de l'UDPS puisse se réunir pour que Félix soit voté comme président de l'UDPS. Et jusqu'aujourd'hui, la veille de son départ, il a joué un grand rôle côté du président Félix Antoine Tshisekedi. Pour nous, c'est une grande perte. Une grande perte, nous les FPI, nous arrachons quelque chose au ministériel à travers son concours, à travers ses impositions. C'est une personne rigide et ferme. Et dans les échanges, il était toujours vif. Et quand il prenait des décisions, ils étaient sans arrêt. Tout ce que je peux dire en ce moment qui est très difficile, c'est que tout simplement nous avons connu une très grande perte. C'est une perte pour le peuple congolais, c'est une grande perte pour le chef de l'État, ainsi que pour la famille biologique du défunt. Donc nous sommes franchement très attristés par ce qui est arrivé. Bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est la mort, nous devons l'accepter. Et c'est un homme qui a marqué l'histoire à la dernière minute. Et parmi ses actions, qu'est-ce qui vous a marqué? Non, je ne dirais pas qu'il a marqué l'histoire à la dernière minute. Peut-être pour ceux qui ne l'ont pas connu. Mais sinon, M. Kitenge Yesu, c'est un monument politique de notre pays. Il a commencé à faire la politique depuis très très longtemps. D'ailleurs, depuis les années 70, il était déjà actif dans la politique. Il a travaillé avec Mobutu, il était plusieurs fois ministre. Il a travaillé avec différents gouvernements qui se sont succédés. Et ça a été toujours un homme pragmatique. Et je crois que Kitenge Yesu laisse un souvenir d'un homme accompli. Et ça disparaît. Sa disparition, c'est vrai, ça laisse un vide, mais il a quand même laissé certaines choses auxquelles nous pouvons nous
nous appesantir. Dans le cas de la sagesse, c'est un homme qui a montré que réellement on pouvait faire la politique autrement, sans violence. Et sa discussion ne sera pas remarquable au sein de l'Union sacrée. Bon, vous savez, nous disons toujours que nul n'est remplaçable, mais évidemment, nous qui avons vécu avec lui, nous savons qu'il sera irremplaçable. Mais sinon, nous allons faire avec, hein, qu'est-ce que vous voulez. Au niveau de l'Union sacrée, nous allons faire avec. Un message au chef de l'État? Non, le chef de l'État, c'est un homme courageux, c'est un homme très stoïque. Je sais très bien qu'il est en train de couper très mal cette disparition, mais nous lui demandons seulement d'avoir le courage qui le caractérise et de surmonter l'événement. Correcteur News TV, Awande correction, Yaba News tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement, correcteur News avec Yemoko Krachou.